guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog avec mon petit matcha latte à la pêche. Ça faisait longtemps que je m'en avais pas fait un, puis je m'avais vraiment ennuyée de ce bon goût-là. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de commencer la vidéo avec un petit try-on haul pour le printemps. J'ai trouvé tellement de beaux vêtements. Je pense que ça peut vraiment vous inspirer. J'ai autant des robes, des pantalons, des tops, des matching sets. Je pense que j'ai un accessoire aussi. En tout cas, je suis vraiment super excitée et j'ai très très hâte de vous le présenter. Fait que je vais juste commencer avec ça. Tous les vêtements que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent du Fashion Nova. Vous allez voir, j'ai vraiment pris beaucoup de pantalons parce que c'est ma place préférée pour les pantalons. Ok, là c'est tellement fait pour une chaîne. Ou est-ce que vous avez une petite taille des fesses et des cuisses, vous vous sentez pas comme toute awkward dans les pantalons, ça fait juste comme perfectly. Fait que je suis vraiment contente de mes trouvailles. Vous savez, Fashion Nova, ça fait vraiment longtemps que je collabore avec eux, puis je reçois beaucoup de leurs vêtements, puis je suis toujours satisfaite. Fait que en tout cas, vraiment excitée de vous montrer ça dans quelques secondes. Sinon, je voulais juste vous dire, pour le reste du vlog, j'ai prévu de faire mes petits ongles. Fait qu'on va se faire une nouvelle manucure ensemble. Fort probablement que je vais me refaire de la couleur. Parce que comme aujourd'hui, là, c'est vraiment une journée grise, et je crave le soleil, le printemps, le beau temps. Fait que si je peux pas l'avoir avec la température, parce que c'est pas moi qui contrôle ça, ben au moins je vais contrôler mes ongles. Je vais me donner un petit peu de vie avec des new nails, mais là je vais aller vous montrer ce que je me suis procurée. Alors la première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce que je porte en ce moment. J'aime tellement le chandail, il est vraiment cute puis il est tellement doux. Quand j'ai vu ça sur le site, je pensais que ça allait être un tissu un peu plus comme rugueux, comme serviette de bain genre, je sais pas, mais c'est vraiment doux, full confortable. J'aime vraiment ça, le fait qu'il y ait comme la stripe blanche, la couleur du bleu, tellement trendy. Mais c'est ça, sinon le top ressemble à ça. Il y a comme un petit zip que vous pouvez vraiment remonter. J'aime tellement la couleur, je trouve ça trop cute. Ok, je vais vous montrer le bas. Fait que je viens juste de tucked in mon chandail, vous allez mieux les voir. Mais dans le fond, il y a tout un élastique à la taille, la petite corde aussi, vous pouvez venir ajuster. Puis les petites shorts sont vraiment comme flowy, full confortable, même matériel vraiment vraiment doux. Que le top, le beau bleu en plus, c'est vraiment cute. Ça vient avec des petites poches, puis pour vrai, le set ensemble, là, c'est tellement parfait pour les journées plus chaudes. Là. Pour vrai, c'est trop trop cute. Puis pour le booty, c'est cute aussi. Ok, tant qu'à être dans les matching sets, j'ai trouvé aussi celui-là, un petit jaune pâle, il est tellement cute. Celui-là par contre, c'est pas des shorts, c'est des jogging. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes là. Mais je suis vraiment contente de la couleur, c'est tellement beau. Puis imaginez là, avec un petit tan, ça va être parfait. Puis celui-là, encore une fois, c'est un tissu super doux. Lui, il est un peu plus fait comme en velours un peu, ce qui est un autre genre de tissu vraiment trendy pour le printemps et l'été. Fait que celui-là, je suis allée rentrer en dessous de ma brassière, mais sinon la coupe est comme quand même courte là. Ben, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. C'est plus comme flowy, mais c'est pas trop long. Fait que vous pouvez le porter juste comme ça. Moi, j'aime ça venir le mettre en dessous de ma brassière. C'est vraiment le même principe que l'autre. Vous avez aussi la petite en couleur comme ça. Vous pouvez venir resserrer, puis ça fait plus comme col roulé. Je vais vous montrer les pantalons maintenant. Alors ça ressemble à ça de proche. Je vais vous montrer vraiment le fit complet dans quelques secondes. Mais il y a des petites poches. Encore une fois, l'élastique à la taille avec la corde. Celui-là par contre, je trouve qu'on voit un petit peu au travers. Tu sais, on le voit avec les poches là. Fait que porter des sous-vêtements pâles, mais sinon pour le confort, pour à la maison, ça me dérange vraiment pas. C'est vraiment parfait. Puis pour le booty, ça ressemble à ça. Alors voilà pour le bas, comme ça. C'est vraiment comme plus baggy dans le bas. Ça vient resserrer avec un élastique. Je trouve qu'ils sont un petit peu longs, mais sinon c'est vraiment parfait. Ok, pour le prochain top, j'ai trouvé celui-là. Il est vraiment cute. C'est un genre de lilas pâle pastel. Il est vraiment beau avec la petite corde qu'on peut venir comme resserrer. Vous pouvez faire vraiment plus décolleté ou moins décolleté. Fait que ça, je trouve ça le fun pour l'option. C'est vraiment comme un petit t-shirt. Puis regardez le petit collet. J'aime tellement cette petite touche-là. C'est trop trop cute. Puis il est vraiment pas trop décolleté, le dos il est vraiment comme super simple comme ça. L'autre chose aussi, c'est un petit hoodie avec un zip. Ça faisait longtemps que j'en voulais un pour comme les journées un petit peu plus froides où est-ce qu'on peut juste mettre ça comme ça pour à l'intérieur, tu sais, sans trop se poser de questions. Genre j'ai vraiment beaucoup de crew neck, mais ils ont toutes pas de zip. Ça, je trouve ça le fun de juste comme venir mettre over some clothes. Il est vraiment comme fait oversize. En passant, je pense que je l'ai pris en medium. Il est vraiment fait comme un large. Fait que size n'est pas up. Si vous voulez un effet oversize, il l'est déjà, mais il est vraiment chou. Je vais juste replacer ma caméra un peu. Il est vraiment comme plus long, un peu comme ça. J'aime tellement ça. Tellement fait parfait avec les poches en plus. Perfect.
Il est vraiment doux, là, tout à l'intérieur en plus, là, c'est comme un petit doudou comme ça. Ok, pour les prochaines minutes, vous verrez pas ma face, je vais tous vous montrer les pantalons comme ça parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais je suis tellement contente parce qu'on peut parler de la couleur. Tout est tellement parfait pour le printemps, là. C'est on point, cette couleur-là. Je trouve ça tellement cute, les détails de comme les coutures, le fait que c'est un peu un fuchsia délavé. Oh my god. Look at me! C'est vraiment un jeans super confortable, il est vraiment stretchy. Look at the body! Avec les grandes poches. Ok, je vais vous montrer en close-up. Ils sont tellement cute! La couleur est juste insane. The booty! Yes! Ok, j'ai trouvé les cargo pants. Je capote depuis que j'ai reçu le colis, là. Je les ai mis beaucoup trop de fois. Fait que d'ailleurs, si vous trouvez une tache, là, pendant que je fais le haul, ben, j'ai pas vérifié. C'est parce que je les ai déjà portés plusieurs fois. Fait que ça vient avec les grandes poches comme ça. Ça vient resserrer à la taille. Il y a de l'espace pour les fesses, les cuisses. Il y a les poches. Comme classique cargo pants. Ils sont tellement beaux avec comme la jambe droite. Pour vrai, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment on trend. Le booty, tellement cute avec comme une grande poche. We love them. Pour vrai, on dirait que je sais pas quoi dire d'autre. Je les aime juste tellement. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ils sont parfaits, 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 parfaits. Le booty. Prochain pantalon. La couleur, c'est un genre de vert bleuté, comme une turquoise vraiment très foncée. Je sais que ce vert-là a un nom, puis je m'en rappelle plus c'est quoi, mais ils sont tellement belles. Encore une fois, c'est pas un tissu comme super stiff que tu te sens toute poignée dedans, c'est vraiment super flexible, la couleur est vraiment intéressante. Oh, les poches, j'avais pas placé. C'est ça, la coupe, la couleur, ça fait vraiment super bien sur le corps, genre hello. Et de dos, ça a l'air de ça. Les poches, encore une fois, les grandes poches, je trouve que c'est ça qui fait le plus beau booty. Maintenant, pour le petit close-up, vous voyez à quel point ils font bien. And bam! Once again, fashion over. Regardez les pants. Ça fait des belles fesses. Yes! Ok, ceux-là, je suis pas sûre de comprendre pourquoi, genre, les tailles, c'est si difficile. Mais normalement, dans les bas de pantalon, je commande comme du 5. Après, j'ai commandé du 5, ça faisait pas. Je leur ai demandé du 7. Là, il arrive avec le 7. C'est vraiment serré, genre. Fait que je vous conseille de vraiment size up au moins comme deux sizes pour être vraiment comme confortable parce que là en ce moment, tu sais, je suis capable de zipper et tout là. Mais sinon, la couleur, le petit mauve pastel, c'est tellement cute. Mais c'est ça, la seule affaire, c'est qu'ils sont vraiment comme super stiff un peu, mais j'imagine qu'à force de porter, ils vont comme se casser un peu. Puis mon booty est un petit peu coincé, mais comme still look pretty good. Ceux-là sont peut-être plus un genre de jeans stiff. Le booty, there you go. These are so cute. Les petits emojis, les petits bonhommes sourire dessus là. C'est tellement cute. Pour vrai, j'adore ça quand je les ai vus sur internet. J'étais comme, est-ce que ça va avoir l'air comme trop cheesy ou cringy que j'aille genre ces pantalons là? Mais là, une fois on. Sont tellement cute! J'ai vraiment pris les pantalons tous dans le même genre de couple, mais c'est vraiment elle qui va être le plus trendy pour le printemps et l'été, puis j'aime tellement ça, je trouve ça vraiment beau. Au lieu d'un 5, j'ai pris un 7, puis là, il fit vraiment comme parfaitement. So cute! So, so cute! Close-up des bonhommes sourires. Il y en a même un en arrière qui dit genre « Hey! » Ok guys, j'ai presque fini après ce morceau-là. Il me reste seulement deux robes à vous montrer puis un accessoire. Mais c'est ça, pour la dernière paire de pantalons, j'ai pris des genres de pantalons un peu plus leggings, vraiment comme très élastiques. Ceux-là, j'ai vraiment size down parce qu'ils sont tellement élastiques que si vous voulez les garder quand même assez longtemps, je vous suggère de size down. Mais c'est tellement cute pour des pantalons vraiment comme everyday. J'y mets pour le travail. Ils ont vraiment une petite couture, là. Peut-être que vous les voyez pas vu que c'est vraiment noir, là. Il y a une petite couture qui fait vraiment tout le long de la jambe. Ça fait plus comme petite patte d'éléphant. Puis ce que j'aime beaucoup de ces pantalons-là, c'est que vous avez même un petit zip ici. Fait que pour venir les mettre, ça va super bien. Mais pour vrai, ils sont tellement extensibles que moi, je suis capable de les mettre juste comme ça. C'est vraiment le fun que tu puisses les mettre avec vraiment n'importe quoi. Full extensible. Encore une fois, je vous remonte un close-up. J'ai l'impression de toujours dire la même affaire, mais je suis juste tellement contente. On dirait que je sais comme pas trop quoi dire. Pour les fesses en close-up. Guys, cette robe-là est tellement cute, est tellement, tellement, tellement cute. Encore une fois, c'est un petit lilas pastel. C'est une robe à carreaux vraiment cute avec les petits fla-fla comme dans le bas. J'adore vraiment les puffy sleeves. Font comme un vibe super princess. Puis la coupe est vraiment juste parfaite. C'est un petit peu short par contre. Fait que si vous êtes à l'aise, you do you. Mais elle est tellement cute. Ah voilà, la petite ceinture qui est vraiment comme en tissu. Il y a plein de différents trous. Fait que vous pouvez vraiment venir la serrer comme vous voulez. Puis il y a la petite ganse pour venir la mettre là comme ça. C'est ça pour les petites puffy sleeves, ça ressemble à ça. C'est tellement cute! Can we just take a moment? She speaks for herself. Eee,
C'est tellement un princess vibe avec les puffy sleeves. À quel point ça puff ici. J'ai l'air d'un giga cupcake en même temps. Mais je trouve ça tellement cute. Je fais ça comme une petite cendrillon. Oh my god. J'aime tellement ça. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment parfait cette robe-là. Elle est resserrée ici. Probablement que je la porterai avec comme une ceinture. Checkez ça, comment ils sont puffy. Ah! Je sais, c'est un peu décolleté. J'arrête mes cheveux comme ça, mais comme... Puis le dos est vraiment plein aussi, mais ça vient comme vraiment resserrer. Ah, c'est tellement cute, ça fait tellement petite robe de princesse. Mais il me reste un item à vous montrer. C'est ce beau petit sac à main-là, fuchsia, tellement cute, le size vraiment parfait. Il y a beaucoup de sacs à main qui ont comme cette texture-là, puis je trouve ça tellement beau. Mais la couleur-là, comme accent pour le printemps-l'été, c'est tellement parfait. Puis celle-là, elle vient avec une petite pochette à l'intérieur que tu peux vraiment venir resserrer comme ça. Fait que t'es sûr que le monde vont pas voler des affaires. Puis ils donnent aussi la petite ganse comme ça que vous pouvez venir attacher si vous voulez vraiment l'avoir comme sur l'épaule comme ça. Mais voilà, c'est vraiment cute avec la robe. Fait que voilà mon petit haul. Ok, on se retrouve vraiment plus tard dans la journée. Je me suis même pas regardée en miroir, je sais pas ce que j'ai de l'air. Je vais faire une petite sieste parce que j'avais vraiment une grosse migraine. Puis j'ai pris mon médicament puis j'attendais juste que ça passe. Puis finalement, je me suis un peu endormie, mais je pense que ça a fait du bien parce que j'ai vraiment moins mal à la tête. Mais là, c'est pas mal l'heure de souper. J'avais même pas regardé l'heure, mais je pense que j'avais vraiment commencé à filmer la vidéo tard dans la journée. Fait que c'est ça, on se retrouve pour le souper. Puis là, on pensait faire un petit pâté mexicain végétarien. C'est le meilleur au monde. Ok, fait que c'est celle-là ici. Vous pouvez pas la retrouver partout en épicerie et tout, là. Fait que je sais même pas pourquoi je vous le montre. Mais si jamais vous venez de Sherbrooke, c'est au petit café Pain Voyageur, je pense que ça s'appelle. Puis c'est ça. Prenez ce pâté-là. Là aussi en plus petit format. Pour de vrai, on mange tout ça à deux tellement c'est tellement, tellement bon. Juste pour vous dire, à l'intérieur, il y a haricots rouges, quinoa, couscous, tomates, oignons, poivrons, céleri, ail, huile d'olive, sel, poivre, des épices pour avoir le goût de. Du pâté mexicain. Puis le reste, c'est comme les ingrédients pour la croûte, là. Mais c'est tellement bon! Fait qu'on va faire cuire ça au four. Puis avec ça, on va probablement manger des brocolis. Fait que let's go! Ok, je regarde l'heure puis en plus il fait vraiment gris. Je pense que finalement, non, je vais pas faire les ongles aujourd'hui parce que je sais que je vais trouver ça poche si je manque de lumière puis il faut que j'allume ma lumière dans ma salle à manger qui est comme vraiment orange. Je vais aimer vraiment mieux le faire à la lumière du jour, fait que je les ferai demain. Mais sinon, je vais continuer de vous montrer tout le processus pour le souper. Mais là, vu qu'il faut attendre environ une heure pour le pâté, ben je commencerai pas tout de suite là. On se revoit plus tard pour continuer à faire le souper. Look at that! Ça sent tellement bon! Fait que là, je vais faire les petits brocolis, puis on va être prêt à manger! Les brocolis sont prêts, le petit pâté aussi, puis j'ai la salade juste ici. Oh my god, c'est tellement jaune à cause de la lumière dans la salle à manger. Fait qu'on va faire nos petites assiettes, puis je vais vous montrer ça. Ah, puis la vinaigrette que je vais mettre dans la salade, c'est la originale, mais crémeuse. C'est vraiment, vraiment bonne. Le grec, encore une fois, c'est vraiment mes vinaigrettes préférées. Justement, c'était orange, on voyait pas bien, mais c'est parce que la lumière au-dessus du comptoir était pas ouverte. Fait que voilà pour nos assiettes. Cette assiette à mon chum, il y a déjà ces deux portions. Ça va être tellement bon! Fait que bon appétit! Ok, on vient de finir de manger, c'était super bon. On a continué à écouter un petit peu notre film, puis là, on vient de prendre une pause parce qu'on a un craving de grand-père au sirop d'érable. Je vais tout vous partager la recette, c'est comme un indispensable, surtout dans le temps des sucres. Mon parrain a une érablière, fait qu'à chaque fois que c'est la saison des sucres, on fait toujours un gros restock. Puis là, c'est ça, vu qu'on a eu plein de cannes de sirop, on s'est dit pourquoi pas se faire des bons petits grands-pères. Fait que je vais vous montrer la recette. Vous allez voir, c'est tellement l'affaire la plus simple ever. Ok, alors je vais sortir un chaudron moyen, puis je vais à faire préchauffer. Puis là, je vais sortir mon fameux sirop d'érable, préférablement québécois, c'est le meilleur. Si vous entendez tout ça en arrière, c'est mon chum. Je vais ouvrir mon bouchon parce que sinon ça coule comme trop lentement, mais vous allez mettre une tasse et demie de sirop. Ça, c'est pas obligé d'être comme super précis, là, parce que dans le fond, ça va être votre base de sauce. Puis je vais rajouter une pâte dedans qui va devenir comme un petit gâteau. Oh my god. Puis à ça, je vais ajouter une tasse d'eau.
Je vais juste mélanger un petit peu. Puis je vais attendre que ça porte à ébullition. Pendant ce temps-là, je vais faire la petite pâte. Fait que pour la pâte, on va avoir besoin d'une tasse et demie de farine. 3 cuillères à thé de poudre à pâte. Puis je vais mettre une bonne pincée de sel. Je vais mélanger tout. Puis ensuite, vous pourriez ajouter 3 cuillères à table de beurre ramolli à température pièce ou 3 cuillères à table de margarine, peu importe un des deux. Moi, je vais mettre du beurre. Ensuite, je vais pouvoir prendre une fourchette puis venir vraiment comme couper le beurre, je sais pas comment dire ça, là, dans le bol. Mon chum va venir filmer le processus. Fait que dans le fond, on veut mélanger avec la farine. Vous voyez comme le cube de beurre, on veut vraiment l'écraser. Ça vient de faire comme plein de petits morceaux un peu dans la farine. Ça va faire comme les petites bulles d'air, genre, en tout cas, je suis pas chimiste. Hein. Fait que là, maintenant que ça c'est fait, on va ajouter 3 quarts de tasse de lait au mélange. Ok, de même. Puis là, on va mélanger jusqu'à temps que ça devienne vraiment comme une petite pâte. Comment c'est devenu de même? Je t'ai dit lait. Oh. Et voilà, fait que vous devriez avoir comme un dough comme ça. Puis regarde, on voit encore le petit beurre, les morceaux là. Ça là, ça va être tellement bon une fois cuit là. Ok, fait que là je viens de baisser le feu, mais c'était à ébullition. On voit encore les petites bulles comme ça là. C'est le moment parfait pour venir ajouter la pâte. Fait que là je vais prendre comme la pâte comme ça. Puis je vais l'amener juste ici. On va faire comme plein de petites boules de même. Et... flawless. Je pense que mon chaudron est un peu trop large aussi. Vous pourriez prendre un plus petit chaudron. Les grands-pères, là, ça a vraiment pas besoin d'être parfait. Genre, c'est juste vraiment delicious. C'est un peu comme un pudding chômeur, mais en 2 minutes. Et voilà. Fait qu'on laisse ça comme ça. Puis là, on va couvrir le tout près de même. Puis on va laisser ça cuire pendant 15 minutes. Puis on touche pas au couvercle. Ça va être vraiment on point. Après ça, vous allez pouvoir prendre un petit cure-dent, les piquer dans la pâte. Ça colle encore sur le cure-dent, ça veut dire que c'est pas prêt. Fait que vous le laissez encore comme une minute. Vraiment, vous le checkez. Puis après, ça va être prêt. Fait que on se revoit dans 15 minutes. Oh my god! Oh! C'est prêt! Il y a rien sur mon cure-dent. Oh my god, oh my god, oh my god. Fait que là, on va fermer le rond. On va tasser ça du feu. Puis là, on va le laisser reposer un petit peu. Puis on va remettre le couvercle. On va attendre comme 2 minutes. Puis vous allez voir, le sirop d'érable va vraiment comme épaissir. Puis là, ça va devenir une sauce. Puis c'est tellement bon! Moi, ça avec une cuillère. Ouais. Petite ou grosse cuillère? Non, moi, j'ai une petite. C'est... She's beautiful. Mm-hmm. Oh my god. Checkez ça. La sauce, comme je vous ai dit, elle est toute genre épaissie. Puis là, c'est juste du bonheur. Ok, on va manger ça. On a chacun notre petite portion. Ça, on va enjoy. On va écouter les restants de notre film. Puis nous, on se reparle demain.